Bonjour, bonjour. Bienvenue au tribunal Cacabox, animé par moi, monsieur le juge Potard. Deux coupables ce soir, deux coupables de choses horribles. Je vais accueillir tout de suite Théorus. Théorus accusé de multiples meurtres sur des gamines, mais on verra ça ce soir, il y a plusieurs thèmes. Théo, t'as choisi quelqu'un de grand comme avocat, t'as pas choisi n'importe qui. Maître Racide, Maître Racide. Il est là, avec les lunettes. Grim Cougeau, accusé numéro 2. I'm innocent, bro. Grim, t'as pris qui pour te représenter? Dis-moi son nom. Monsieur Maître Délire. Bravo. Bravo, monsieur Maître Délire. Bon, il est sorti. On a deux accusés, à gauche et à droite. On va savoir qui est le meilleur être humain des deux. Donc, dans plusieurs thèmes, cuisine, jeux vidéo, racisme. Il y a racisme ce soir dans les thèmes. Et attention, je l'ai pas dit en début de live, le gagnant ira remplacer trois miniatures sur la chaîne de l'autre. Il le laissera une semaine. Vous êtes prêts à vous combattre, là? Je vais vous montrer le thème. Cuisine. C'est gagné. Je dirais tout d'abord, quand il s'agit de la cuisine, que mon client est un touche-à-tout et s'est découvert une passion pour la cuisine que je pourrais vous montrer avec différents exemples d'un plat qui a l'air complètement délicieux. Il a pas fait ça, il a pas fait ça. Si. Théorus, sans sa mère, pardon des mots, la conne, il fait pas un plat. Allez, bonus. Oui. C'est un cheesecake. Voilà. C'est un cheesecake. C'est sa mère qui fait ça, c'est non, sa mère. Non, c'est mon client. Ah, je vous permets de vous poser la question, monsieur Théorus. Est-ce que c'est votre pute de mère qui a cuisiné ça? Eh ben je vais vous répondre, monsieur le juge, votre salope de merde n'aurait pas pu faire ça, mais en tout cas la mienne ne l'a pas fait. Pénalité. Il a le droit de parler à ces gamines de 8 ans qui séquestrent dans sa cave. Il a le droit de parler comme ça, pas moi. Pour répondre à monsieur Délire vis-à-vis de mes plats, avec ma petite femme, je fais de la cuisine avec elle, voilà. Et ce sont des plats qu'on a réalisés ensemble. Elle a quel âge? Elle a presque 45 ans. Je rigole, 23 ans. Il vole les plats de sa copine et de sa mère? Non, on les fait ensemble avec amour. Mais que faites-vous avec votre copine, vous? Ah bon, on se le demande. Ah pardon, je suis juge. Alors, je commence le storytelling. Souvenez-vous du live de Théorus qui préparait des lasagnes. Tout le monde se souvient de ce live, mais très peu de gens se souviennent du résultat qui était tout bonnement délicieux. Voilà, c'est magnifique. Je me permets de vous mettre ce qui s'est réellement passé ce jour-ci. C'est comme les images de Rodney King. Oh, il m'énerve, ça, je vais te tuer avec un couteau. Oh, waouh. Je vais te tuer avec un couteau. Excusez-moi, Maître Délire, ta gueule, sale pute. Tu réponds maintenant, pourquoi tu m'as menacé? Monsieur le juge, je tiens à me présenter mes excuses envers vous, et je vous aime. Mesdames, messieurs, Grim Cujo, en 2021, nous a dit: les gars, est-ce que vous connaissez Uber Eats? Il venait de découvrir l'application en 2021. Eh bien, je me suis procuré un document accablant. Le chiffre d'affaires d'Uber Eats a explosé juste après l'installation de Grim. Et quand il consomme des fast-foods, il finance... Non. Il finance qui, vous savez, un autre exemple. Comme si ça ne suffisait pas. Attendez, juste deux secondes, monsieur Hugo. Quel est votre problème avec Israël, monsieur Racide? Vous avez aucune culpabilité à ce qui s'est passé dans les années 40? Excusez-moi, monsieur le juge, vous avez complètement raison, je financerai moi-même dès demain des sociétés qui reversent la Bravo. Je me permets juste de répondre à un ancien ami qui se moquait d'avoir consommé du fast-food quand monsieur achète du merch du Kentucky Fried Chicken. Ça attaque personnellement l'avocat. Il attaque l'avocat, je ne suis pas du tout concerné par le jugement. Non, on n'est pas dans ces jugements. C'est également un pédophile qui attend les enfants à la sortie de l'école. Non, monsieur Délire, c'est de la vie privée. Si les pédophiles dans sa vie privée, ça se respecte. Dans cet hémicycle, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la cuisine. C'est terminé. On va aller voter, donc vous allez soit dire Théorus, soit dire Grim Cujo dans le chat. Ça a pas commencé encore. Ça a pas commencé encore, les gars. Il se rassure. Oulala, ça penche quand même. Bon, on va arrêter le massacre parce que là, il y a aucun. Non, ça, je suis en train de remonter là. Non. Eh, Grim Cujo, vous avez perdu. Alors, juste avant, j'en profite. On est ici réunis. Je voudrais quand même rendre hommage à ce qui s'est passé pendant la guerre de 40, la déportation de 6 millions de juifs. C'était horrible. Voilà, on continue. Prochain sujet. C'est tout. Bah, je voulais quand même. Allez, c'est parti. Ça commence par Théracide et Théo. Alors, Théorus, d'ailleurs, qu'on pouvait appeler le prof en cube, hein, qui a démarré sa carrière en tant que. Il groumait des mineurs sur Minecraft, en effet. Minecraft, il avait 12 ans. Donc, Théorus, j'ai ici un exemple de son niveau sur Fortnite où il remporte plus de 2500 euros. C'est quoi ça? Je peux pas séparer l'homme de l'artiste, c'est horrible. Monsieur Acide, est-ce que je peux vous demander qui composait l'équipe?
J'étais avec Maxime Biaggi. Je crois bien oui. qu'il était aussi avec Kenny S, joueur pro FPS ah de CSGO. Une photo donc, de Kenny S. Rien de voir avec peut-être. Fortnite au final. Oui, Kenny mais... S. Alors attends. Bon. Parce que... Quelle est la. Quelle est la. T'es mort, t'es mort. Non, 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 attendez. Oh, ce qu'on vient de voir, c'est une honte. Un accusé merci. Attaque sur le physique avec une image réelle en plus. S'il y a 15% de différence, je voterai pour Théorus. Maintenant qu'on s'est bien marré, il avait Kenny S dans son équipe, etc. Parlons de Grim Cuso qui est en train de conduire sur un jeu de voiture. Oh, c'est triste. Moi, je trouve ça triste. Non, c'est faux, oh, non, mais c'est faux, faux, c'est faux. Oh non, c'est montré. Vu qu'on attaque le skill bon. Qui est en plus un montage, normalement c'est Remly. Hein. Attaquons ouais, le skill ouais. de Monsieur Théorus. Non, mais c'est d'humiliation. Là. Aïe, aïe, aïe. Oh, oh, alors, stop, ça n'a rien stop. À voir sur niveau 2, c'est de la trahison. Exactement, ça n'a rien à voir. Monsieur Racine, s'il vous plaît. Vous devez défendre ce truc, c'est quoi ça? J'ai fini c'est où, là de non, mon côté, je laisse la parole à la défense, non, mais j'ai merci. Fait ce que j'ai pu. Je me permets de clôturer cet épisode sur le jeu vidéo en disant que la seule référence de ce pauvre Théorus, c'est Minecraft. C'est Steve de Minecraft. C'est Steve. Non, non, mais taisez ce fils de pute, c'est pas possible là. Ça arrive dans l'hémicycle là. Allez, on va aller voter le public. C'est serré, c'est serré. C'est serré. C'est serré avec zéro preuve en face, c'est fort en tout cas. Stop ball. Monsieur Grim Cujo, vous vous rappelez de ce que vous avez fait? J'avais dit s'il y a 15%, je donne le vote à l'autre. Donc c'est Théorus qui prend ce vote. Mais oh juste, vous êtes quand même un fils de pute aussi. Je suis et pourquoi oh, ouais, ça, et ça repart. Et ça repart. Encore pour l'autre vote, je privilégierai Théorus. Je tiens à rappeler au chat, il y a bientôt 20 ans, 23 ans pour être exact, deux tours sont tombés. Et ça, mais c'est je suis né aussi il y a 23 ans. Je suis né il y a 23 ans. Et ferme ta gueule, toi. On parle des dieux au septembre. Et ce qui s'est passé au long septembre, c'est horrible. Donc on va passer au prochain sujet. C'est le cuit. Ah, bon courage. Je vous laisse commencer, je vous laisse commencer. Avec mon client, on s'est rapidement rendu compte qu'on n'avait pas besoin de prouver qu'il était intelligent, mais juste que Grim était complètement con. J'ai quelques exemples sous la main, hein. Alors parmi une pléthore, hein, parce que croyez-moi bien qu'il y avait du choix. Là, c'est Madros qui demande à Grim Cujo de lui envoyer sa VOD, qui envoie le nom du fichier et qui corrige en ajoutant .mp4 à la fin du nom pour que ça marche correctement. Mais j'ai aussi Grim Pertinent qui dirait tiens. On dirait vite des ailes. Je terminerai par celui-ci. Je suis mort, la banque postale, c'est la banque en fait. Je me permets de prendre la parole, mais franchement je peux rien faire cette fois-ci parce que je vous jure que mon client est débile. Je lui ai demandé de faire des photos pour prouver son intelligence, il m'a envoyé cette photo le con. Plus à faire. Ça va être compliqué. Oui. Bon, hein, N'oublions pas, Hugo, en plus, il y a les 15%. Du coup, on peut quand même se refaire. ta gueule. Allez, c'est terminé. Quoi de généreux. Et pas dans la compétition. On part sur la mode. On est tellement sûr de nous que nous n'avons qu'une seule pièce à conviction. Je vous laisse en profiter. Ouh, oh yeah. Oh non. Effectivement, on va avoir du mal à remonter la pente, mais on va tout faire pour. Quand Grim Cujo s'habille très bien grâce à des personnes qui s'occupent de l'habiller, car effectivement, ce n'est pas lui qui s'habille. En revanche, j'ai des clichés qui m'ont été envoyés par sa conjointe de Grim Cujo qui choisit lui-même ses vêtements. J'en ai pour exemple Grim Cujo qui m'a dit « Et ça, chérie ?» Ça me va bien. Grim Cujo qui a demandé l'avis à toute la Cacabox, je cite « Les gars, j'achète ou pas ?» Mais c'est fait sur ton second degré. C'est que ce caca. Je plaisante. Vu qu'apparemment il faut de l'extraordinaire selon Monsieur Acide pour séduire ces dames, je me permets simplement de vous montrer cet homme dans le plus simple des appareils. Un Marcel Noir, n'est-il pas magnifique? Oh oui. Machine à sexe. Je me permets. Voilà, merci. C'est une fin de débat sur ce sujet. Ça fait mal. Là, il n'y a pas 15%. Je voudrais 11%. Je voudrais même 1%. C'est gagné pour Grim Cujo. Twitch. Si on parle de Twitch, on parle bien évidemment de fréquentation en termes d'influence. On a différentes fréquentations de Théorus qui sont vraiment stylées. Mauno, sérieusement, Mauno. Oui. Yepko, gros love. Parlons plutôt des fréquentations de Grim Cujo. Alors, c'est faux. Où est la preuve avec mal. Xenos. Les fréquentations de Grim Cujo ne s'arrêtent pas là. Mais c'est si, là, on va rien dire. Mon client n'est pas prêt à tout pour du buzz, contrairement à Grim Cujo. Je me permets de vous montrer un exemple assez fort de la façon dont ses viewers réagissent, c'est-à-dire aucunement. Est-ce que vous êtes chaud dans le chat ou pas? Objection. Objection. Attends. Je me suis procuré le réel clip que je me permets de diffuser en avant-première. Est-ce que vous êtes chaud dans le chat ou pas? Voulais. Ah, est-ce que vous êtes chaud? Oh là là, vous êtes tellement chaud. La honte. Les messages d'un coup, c'est incroyable. Je me permets d'enchaîner. J'ai également des preuves accablantes de l'incompétence de la défense pour ce qui est de l'animation de live. Mon petit sac à dos et on va y aller.
Comme ça, je vais dehors. Hop là. Salut Philippe, salut Philippe, comment ça va? Bah attendez, c'est en notre faveur là. Mais c'est drôle, puisque vous avez attaqué le niveau d'animation de mon client, qui était dû d'ailleurs à un manque de viewers. C'est toujours le cas, le manque, qu'on peut le dire. Mais fermez votre gueule, c'est que c'est fou ça quand même. C'est ça, c'est un truc. Par contre, ferme ta gueule, gros fils de pute. Écoute, on est dans un tribunal, ferme ta gueule, vraiment, tu te dégages de la salle. Pendant que mon client, lui, se démène pour animer son live, voilà ce que fait Grim Cujo pendant que lui a beaucoup plus de viewers. Merci l'animation. Dois-je vous rappeler que le Battle Kart n'a même pas fait 10 000 viewers? Le premier event IRL de mon ami Grim Cujo ici présent a fait plus de 50 000 personnes. Ouais. Si leur sujet peut être écarté, si on peut rester dans les statistiques, le plus grand live de Théorus va la servir sa gueule, ton client de merde ou quoi? Le plus grand live de Théorus, ton client. Monsieur Juge, je demande le vote des jurés. Restez, restez dans la musique. Monsieur Cujo, vous vous rabibochez avec votre avocat? Non, moi j'ai pas envie. Vous devez gagner ce procès, mes amis. On va passer au vote. Ah, c'est une tribune de suprémacistes blancs, on faut le dire. C'est blanc contre blanc, il n'y a pas de racisme à avoir. J'ai un Camerounais à ma gauche, c'est une insulte. Et moi, je suis cambodgien, voilà. Ah, bah, j'adore toute la culture. J'adore la culture. C'est terminé. Ça fait 4-2. Attention. La beauté. La mode, tout comme la beauté, c'est assez subjectif. On sera tous d'accord, mais on pourrait quand même se mettre d'accord sur un point. On pourrait dire que Boudère est tous moches. On est tous d'accord pour dire voilà, que Boudère ça, comme est moche. Quoi, on peut voilà. Tous se mettre d'accord ça, ça également oui. Que oui. Si on devait trouver un sosie à Théorus, ce serait plutôt Leonardo DiCaprio. Alors que si on devait trouver des sosies à Grim Cujo, on serait plutôt sur... Du racisme ! Non mais là ! Il y a un truc excusez-moi, qui... Excusez-moi, mais... j'ai juste été sur une plateforme neutre objective avec une IA pour me dire « Trouve-moi le sosie d'après cette photo ». Donc, également, si on parle de beauté, on peut parler des coupes de cheveux. Des différents styles de coupes de cheveux de Théo, alors que Grim Cujo n'a de cesse que se chercher. C'est une catastrophe. Encore une fois, photo montage. De cheveux. Il y a une photo de Coleman à l'intérieur. Je comprends. Que ça soit une erreur. Pardonnez-moi, monsieur, eh oui. Je suis pas agacé. Oui. Je. Eh oui. Par contre, on va commencer à parler de body count. Parce que si ça continue. Ah non, body count. Je vais vous montrer des photos sans montage. Regardez à quel point Théorus ne prend pas soin de lui. Oh non, non l'état. Regardez non l'état de la chose. Wow. Je me permets à côté de vous présenter Grim Cujo dans son plus simple appareil. Un ouais. T-shirt blanc, un short. Pas mal, sexy. Puisqu'on est dans les rues d'Atlanta. Superbe. Oh non, mais il est encore une fois du racisme. C'est le style portoricain d'Atlanta. Pendant ce temps, on peut regarder la beauté entre guillemets de Théorus. Non, non, là j'aimerais juste savoir les informations. Qui l'a tabassé là? Qui l'a tabassé? Mais... l'extrême droite, monsieur le juge. Quel est votre problème avec l'extrême droite? Bon, écoutez, les amis, on va clôturer. Glorifier. Bon, on va sucer. Gloriole. On va gloriole ce sujet. Et hop, c'est reparti. Il y a 50-50, ce qui est un compliment pour vous deux. Un compliment, c'est vrai. C'est Grim Cujo qui a gagné, ça fait un 4-3. Et d'ailleurs, j'en profite, je passe le gros bisou à Donald Trump, que j'adore. Et j'espère qu'il va sauver les États-Unis et redresser ce pays. On passe au nouveau sujet, l'humour. Comme beaucoup des catégories, l'humour c'est subjectif. Je me suis dit, qu'est-ce qu'en pense Internet? J'ai été sur Twitter et j'ai tout simplement tapé les mots-clés qui auraient pu m'aiguiller sur ce que les gens pensent de Grimm. T'es pas drôle, premier résultat, mais c'est pas le tout. On a aussi des exemples un peu foufou, un peu folle dingue. C'est drôle, Grim Cujo, t'as une coupe un peu fun. Mais je vous propose de regarder le niveau de divertissement et d'humour de Grimm quand il ne vole pas de blagues. Absensible, ça se tenir. Il y a une abeille dans ma chambre. Et tout le monde est on est loin de Chaplin. Oui, bah je vois plein de gens qui défendent Norman, c'est pas pour ça qu'il faut les prendre en compte. On peut dire, hein. S'il vous plaît, on est dans le tribunal, on arrête de citer mon ami Norman, que d'ailleurs que j'embrasse. Obligé, votre honneur, si je peux me permettre, il a dit que je vais rire personne. J'ai fait rire Domingo pendant plusieurs heures en live. Ah ouais, c'est bon. Théo ne fait même pas rire ses propres parents quand même. Hop. Et les parents de Théo, si on parle d'humour et vivant. On peut oublier. Alors, que comme il y a eu le Covid, Théo. Il y a eu le Covid. Non, il s'aime encore. Juste, j'aimerais dire que les miens sont morts et je les embrasse. Big up. On peut être neutre aussi. Non. 5 secondes avant les. Bah, des fois, on peut dire ce qu'on pense aussi. C'est bon, on n'est pas non plus. C'est Théo qui mène de 5-3. Prochain thème, c'est la culture.
Mon client, déjà, première chose, il va sans cesse au cinéma. C'est qu'il en a même parlé de sa passion du cinéma, notamment, au micro de Léa Salamé. Il a abordé le sujet de Agnès Varda. Objection. La Bina est changée, j'ai l'impression. C'est bien de montrer une miniature, mais je vous propose d'écouter plutôt un extrait. Est-ce qu'ils vous suivent, les jeunes? Est-ce que vous avez des réactions de gens qui vous disent « On a vu le film d'Agnès Varda que tu nous conseillais ». Bon, on a encore affaire. Non, mais c'est raciste. C'est raciste. Non, mais la vidéo me paraît vraie, là. C'est bien beau de parler d'Agnès Varda, mais bon, quand on voit les arguments... Vous pensez vraiment que t'es raciste, avocat, oui, va aller modifier des images de France Inter? Bah non, mais arrêtez. C'est marrant, en tout cas, puisque il est question notamment de la culture de notre ami Théorus. On va regarder, par exemple, son top des meilleurs 3 dessins animés. Rick et Morty, South Park et Le Monde Incroyable de Gumball, vu qu'on a affaire à un enfant de 5 ans. Vous avez affaire avec Théorus à quelqu'un de dangereux, puisque Théorus a des penchants sexuels assez inquiétants dont il fait part sur les réseaux sociaux. C'est pas la culture. Pourquoi Théorus regarde des films ou des séries? Pour se serrer le poireau? Oh non, non. Regarde ce visage d'ange. 2017, regardez la date s'il vous plaît, messieurs les jurés. Il s'agit de la même personne. 2017, il était mineur. Il y a pas d'âge pour la culture. Il y a pas d'âge pour être cultivé. J'ai fini. C'est parti pour le vote du public. Stop. Et sauf que j'ai mon choix de veto. Et pour moi, il n'y a aucun doute. Grimm a plus de culture que Théorus. Oh, alors là, allez. Non. Alors, bon, prochain sujet. C'est la bienveillance. Bien. Merci. Vous n'êtes pas sans vous rappeler ce clip, mais l'avez-vous écouté avec beaucoup d'attention? Encore. Mais je t'aime. Putain, c'est incroyable comment j'aime le chambreau de ce mec. Oh là là, chambreau de ce mec. Oh, je vais te casser mon cœur. Casser mon cœur. Ou encore ce clip que beaucoup de gens ont oublié. Je suis pas énervé. Je suis content. Je suis pas du tout énervé. Vous êtes des mecs géniaux. Je t'aime. Pendant que les témoignages contre Grimm Cujaux sont accablants. Gendarmerie nationale, je vous écoute. Grimm Cujaux est un pédophile. Il m'a violé. Non, mais c'est la honte. Je terminerai cette plaidoirie avec quelque chose qu'il aurait préféré voir enterré à tout jamais. Une preuve qui ne traîne pas qu'avec des gens bienveillants. Oh, qui est donc, Nia, qui est donc cette personne avec C'était dans le public Dorian. Hey. Dorian Léry qui était venu pour nos lives JO. Pourrait peut-être venir. Bonjour Dorian. Salut Dorian. Tu as été présent beaucoup durant live JO Cacabox, notamment ce live de Grimm Cujaux qui t'a amené. Mais est-ce qu'il était vraiment bienveillant avant et après avec toi? Non. Donc on invite un clochard qu'on a chopé dans la rue. Alors le clochard, il fait des streams et Grimm Cujaux lui vole les streams. Regardez, je sais que Dorian l'a fait, je trouve que c'est une bonne idée, j'assume, je lui dis. J'ai une dernière truc aussi, Grimm Cujaux dit qu'il le met en avant en tout cas sur Twitch. Mais je vous invite à regarder la conversation entre Dorian et lui. C'est bâtard. Rio de Janeiro. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et tu dégages de l'hémicycle. Merci beaucoup Dorian. Bienveillant sur toi Dorian. Ce que vous faites là depuis tout à l'heure, vous vous attaquez tous les deux. Ce n'est pas de la bienveillance. Moi j'ai besoin de voir les actes de bonne foi que vous avez fait. Monsieur le juge, vous avez raison. Si je peux le dire, Théodore. Voilà. Je t'aime. On a grandi avec Live, avec la caca box, avec Zen. T'es mon meilleur ami sur internet. Tu veux dire quelque chose, Théo? Mais ta mère la pute au bout d'un moment! Non, ça y est! Non! Mais bon, allez, on y va, on start les New Poll, c'est parti! C'est génial! Le chat, vos pauvres mères qui se cassent le dos là, vous leur donnez rien! Ah, c'est pas bienveillant! Ça, c'est pas bienveillant! Le vote, il est fini, c'est bon, allez vous faire foutre! Racisme! Déjà, sujet, avant hein. de commencer, je pense qu'ils vont utiliser cet argument. Je suis camerounais, je ne peux pas être raciste. J'ai réussi à mettre la main sur la photo du père de Grimm. Attends, mais c'est faux, Jésus-Dox. Grimm, l'origine de ton père tout de suite, s'il te plaît. Je suis un fils du peuple, je suis métis, mon père est français, ma mère est camerounaise. Par contre, dois-je rappeler que ton premier compte Twitter a sauté à cause de tous tes tweets racistes et qu'aujourd'hui encore, vous pouvez aller vérifier. Je suis pas Yass, moi. Grimm, évidemment, tu n'es pas Yass. Non, toi, tu fais bien pire, comme on peut le voir ici. Non. Si vous pensez que c'est le fruit du hasard, alors pourquoi il aurait tout simplement recommencé encore mais une fois? C'est de la pétanque. Si seulement ça s'arrête au racisme, mais on peut même étendre le sujet en parlant par exemple des handicapés. Bon alors non, là c'est grave. Vous maniez parfaitement bien After Effects et Adobe Premiere. Ah oui, en tout cas. Est-ce que je manie aussi bien Photoshop quand il s'agit de l'homophobie? Non. Tout le monde ici l'a vu. Quel genre de personnes ont envie d'utiliser de leur talent créatif pour donner de la force à ce type de gens? Une bannière YouTube gratuite pour Raptor Dissident. On va aller vérifier. Maître Groomer a encore pris un tweet où j'avais 15 ans. Le racisme d'apanage. L'extrême droite. Alors si le racisme d'apanage, excusez-moi, mais on est plusieurs à être dans la merde. Monsieur le juge, les avocats. Et c'est pas notre procès. Est-ce que les jurés veulent encore une autre preuve ignoble? Non. Encore une fois sur le chat de Grimm Cujaux. Non mais t'es encore même.
Vous m'excuserez, hein, les deux avocats. Vous êtes des ordures de défendre des merdes pareilles. J'ai l'impression de voir l'avocat et je vous baise et je vous incule. Et levez-vous si vous avez les couilles là. Moi, je me lève, je m'en rends à foutre, j'ai la bite à l'air chien maintenant. Qu'est-ce qu'il veut ? Bon, eh oh, bon, allez, on va lancer les votes. Désolé, je me suis laissé partir. Rien à voir avec le racisme. De ce que je vois, tous les deux sont racistes. On cherche celui qui est le moins, hein, finalement. Hein. C'est Grim Cujo qui est le moins raciste des deux. C'est dommage, ça se finit en 6-5. Faut choisir les trois minias quand même. En proposition pour la vidéo GP Explorer 2, c'était cette miniature là. Ah oui. Ah oui. Je participe au GP Explorer 2. C'est parfait, c'est très drôle. C'est excellent. Grim pour Kev Adams, la vidéo a 1 million de vues pour la miniature. Kev Adams. Cette vidéo là avec ce titre là. Je mets live chat. Mais il a 40 000 ans. C'est une catastrophe. Bon bah là c'est. T'imagines que tu vas sur la chaîne de quelqu'un, il y a ça, genre. C'est quoi ça? Vous avez aimé le chat, c'était un super concept. On c'était très cool, bravo. Franchement, cool. Bravo, Potter, bravo à vous là pour le coup, parce que les preuves et tout, c'était super drôle. Bon allez, ciao les gars.